Bonjour, Monsieur Moore. Allô. On va faire du ski ensemble? Non, je suis désolé. Pourquoi? Je ne vous plais pas? Au contraire, mais tu n'as pas la vignette du BPA. Never without. The Alaskans. Starring Roger Moore. Dorothy Provine. It's impossible that you knew. Richard Burton, for example. The great David Niven. I mean, Gregory Peck. These are people who... And some of them you were pretty close with, weren't you? Well, David Niven was a particularly close friend. And we made a few films together. And I went to Switzerland for the first time because David asked me to come and stay in Châteauday, where he lived. And he was a dear friend. I miss him. Mr. Roger Moore. Darmstadt, c'est le palace. Perché en haut d'une colline dominant la ville, cette construction plutôt baroque, style château fort d'opérette, est le véritable point de rencontre de tous. Bonsoir, guten Morgen. Dis-moi, ça va? Pour les fêtes de Noël, Travolta est venu passer juste deux jours à Gstaad. Par le passé, de nombreuses stars ont habité ici, comme Elizabeth Taylor, Kurt Jürgens, Peter Sellers, David Niven, Roger Moore. Roger Moore est venu à la maison pour prendre l'apéritif avec mes parents, mais il préférait jouer au train électrique avec moi. Des souvenirs du bon vieux temps. Au Palace de Gstaad, chaque année réserve son lot de nouvelles rencontres et de moments magiques à vivre avec les stars. Vous aimez ? Beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un monsieur qui aimait beaucoup Grand Montana et c'était un gentleman. Toutes les villes devraient avoir un Jorg. Je bégaye un peu, c'est un peu l'émotion, excusez-moi. Depuis 20 ans, Jorg est le moniteur de ski attitré de Roger Moore. Forcément, une telle carte de visite, ça vaut de l'or. Depuis ce paragraphe, j'ai plus besoin de CV. J'offre à tous mes potentiels employeurs le livre de Roger Moore, amicalement vôtre, et la page 75. Et en général, je suis engagé. Roger Moore a fait de Jorg son assistant personnel à Grand Montana. Grâce à l'acteur, Jorg côtoie les plus grands. Désormais, il fait partie de son cercle d'amis intimes et on le voit régulièrement aux côtés du célèbre golfeur Nick Faldo ou de la princesse Stéphanie de Monaco, ici au centre. Fresh air, fresh snow, healthy outdoor exercise. Well, even 007 deserves a holiday now and again. Unfortunately, this isn't it. It's more like a training course. You see, an agent never knows what particular skill is going to be required in his job, and on a moment's notice at that. Do you want to throw your hats in the air? Okay, one, two, three! Thank you.
traitement particulier. The Swiss is on cool, hein? I joke. Et je vais aussi avoir mon étoile sur Hollywood Boulevard. Vraiment? Comme les étoiles que l'on voit sur ce fameux trottoir? Qu'est-ce que ça représente, cette récompense pour vous? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille souvent là-bas pour la nettoyer. Est-ce que vous avez fait la carrière dont vous avez rêvé? Je crois bien que oui. Et pour ces prochaines années? Et les prochaines années? Oh, pour les 100 prochaines années, j'espère. Je vais continuer mes missions auprès de l'UNICEF. Oh, et pourquoi pas refaire une émission encore une fois avec vous. Merci beaucoup, ça a été un véritable honneur pour moi. À bientôt, voilà, on va se quitter sur ces magnifiques images, sur ce beau paysage de Grand Montana et de sa région. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour un nouveau rendez-vous d'été. You have to be the best. You never know when your life is going to depend upon it. Even on a nice day like this, in shot.